Bonjour, bonjour et bienvenue dans le chapitre 44 de mes podcasts créatifs. Je suis Mylène alias Folie Ordinaire et on se retrouve aujourd'hui un tout petit peu avant Noël pour l'épisode, le nouvel épisode de mes podcasts. Vous pouvez me retrouver donc sur les réseaux sociaux sous le pseudo de Folie Ordinaire avec un 0 à la place du O de Ordinaire et ainsi que sur mon site folieordinaire.com, sur Ravelry, etc. Je suis très heureuse de vous retrouver avant cette fin d'année. Je me suis dit que j'allais pas faire la foire aux questions tout de suite. J'ai eu pas mal de questions au dernier épisode et j'en suis ravie. Mais du coup, je vais vous permettre d'étoffer encore un peu avec d'autres questions pour cet épisode-là. Et je tournerai la foire aux questions FAQ au mois de janvier. Voilà. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour toujours le même format. On va voir un petit peu des choses que j'ai faites, des choses que j'ai designées et autres trucs de couture, notamment. Et on finira un petit peu avec mon cours artisan pour faire un petit peu de promo. Voilà. Et on démarre tout de suite avec un tricot. Alors, un tricot. La dernière fois, je vous avais présenté mon Matisti de NCL Knit que je porte souvent. Alors, moins là, parce qu'avec l'arrivée de l'hiver, un petit peu moins. Mais j'ai beaucoup porté cet automne, comme j'avais prévu. Et du coup, je me suis lancée un peu à l'improviste, c'était pas prévu, dans le Bombec. Donc, c'est la capuche de Atelier Mie. Qui est sorti au mois de novembre. Donc en fait, je suis allée au CSF pour aider Simone, Yarn by Simone, et je me suis retrouvée embarquée dans un groupe de 4-5 tricoteuses à faire la capuche Bombec. Donc c'était pas prévu, mais c'était chouette à faire, donc la voici. Hop, avec une ouverture ici. Donc la dernière fois, j'avais dû vous présenter la laine, donc c'est une laine de Yarn by Simone en coloris Madame Rêve. Et la dernière fois, j'avais dû vous le présenter pour le Carreta que j'ai tricoté, designé, refait en version 2.0. Et donc ici, j'ai utilisé les restes. Il me restait un petit peu de chaque qualité. Donc il me restait du Merino Super Wash, MSW, et du KMS, Skin Wear Soie. Et j'avais à peu près le bon métrage pour faire la capuche, selon les explications d'Emilie. Et donc je me suis dit, allez, je me lance, il devait me manquer vraiment pas grand chose, genre 10 mètres quoi. Et donc je me suis dit, allez, on tente quand même. Et donc j'ai fait la capuche. Alors j'ai déjà pas mal porté quand il a fait très très froid dans le nord. Donc c'est un modèle qui part du bas, on commence avec les côtes et on tricote jusqu'en haut. Donc au début c'est tricoté en rond, après un aller-retour. Et après il y a la finition qui est vraiment ce qui finit la capuche de façon sympathique. Donc pour la laine, donc je vous ai dit, j'ai tricoté en KMS et MSW. Je vais pas montrer mon visage sinon ça fait un trou. En contraste, et par contre donc il me manquait un tout petit peu de MSW, donc j'ai réussi, j'ai défait mon échantillon de Carreta et j'ai réussi à finir notamment le rabattage, je crois que c'était un grafting, le rabattage de fin, j'ai réussi à le faire avec mon reste. Et par contre j'avais pas assez pour faire la bordure, par contre il me restait du coup de la KMS, donc j'ai tricoté juste en fait la petite bordure là, je l'ai tricotée en double KMS. Donc on voit légèrement une différence de texture entre ici et ici. Voilà.
Donc c'est un modèle qui est assez rapide à faire. J'ai dû mettre 3 ou 4 jours en tout. Alors après, j'ai fait une pause entre deux parce qu'il y avait un truc à finir. Mais voilà, j'ai dû commencer je sais pas, un lundi, et j'ai fini quelques jours après. Le plus long, ça va vraiment être la partie de la capuche. Et hop, je pourrais l'essayer. Je vais être toute décoiffée derrière. Donc ça donne ceci une fois portée. Alors par contre, ce qui est super bien, c'est que du coup, ça fait une couche supplémentaire au niveau du cou avec un châle par-dessus. Ça vraiment, c'était très agréable à porter quand il faisait très froid. Et alors moi, je ne l'ai pas mise vraiment en cap. C'était aussi pour me protéger les cheveux de l'eau en fait et de la pluie. Voilà. Donc là, j'ai fait la taille 2, sa deuxième taille. Je crois que mon tour de tête était un peu plus large, mais comme j'avais vraiment peur de ne pas avoir assez de laine, j'ai fait la taille 2 et c'est largement suffisant pour moi. J'ai utilisé, je crois qu'il me restait 40 grammes de chaque laine. Donc voilà, c'est pas très gourmand en laine. Et c'est un accessoire qui est bien utile pour l'hiver, la pluie notamment. Et comme je dis, j'avais un gros manteau d'hiver bien chaud, mais j'ai pas de capuche dessus. Donc quand il pleut un tout petit peu, c'est bien pratique d'avoir de quoi se couvrir la tête légèrement. Et ça tient bien chaud, surtout dans le cou et dans les oreilles. Donc voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui l'a tricoté déjà et franchement, je le recommande. Par contre, voilà, le fait d'avoir fait ma bordure en double KMS, elle a un peu moins de tenue, elle est un peu plus molle. Et ça, c'est le seul truc dommage, mais c'est pas de la faute du patron, c'est de ma faute à moi, j'avais pas assez de laine. Et ouais, ça fait une finition légèrement différente. Et oui, autre chose que j'ai pas faite, j'ai pas fait les deux ouvertures, ni le fil pour fermer et raccourcir la capuche. Parce que je me suis dit que je les utiliserai jamais. Donc, puis de toute façon, j'avais pas assez. Donc voilà, j'ai juste fait la bordure comme indiqué, rabattue, mais j'ai pas fait d'ouverture et j'ai pas fait de lien pour tout fermer. Après, au début, je m'étais dit, je vais peut-être utiliser un lien haut, genre un Liberty, un petit bien Liberty et tout, mais je me suis dit que j'utiliserais pas le lien à terme, donc que c'est très bien comme ça. Donc voilà, ça c'était la capuche Bombec de Atelier Amy. Et on passe tout de suite à une laine. Alors pour cet épisode, on va rester énormément dans le Yarn by Simone, puisque je vous ai dit que j'avais tricoté la Bombec en Yarn by Simone. Là, je vous ai parlé aussi que j'allais vous montrer le Carreta en Yarn by Simone. Et la laine que je vais vous présenter, c'est aussi une laine de Yarn by Simone. Donc c'est une laine que j'ai découverte au CSF aussi. Et du coup, je suis repartie avec 3 écheveaux. Donc c'est la laine KMMN, ici. En fait, c'est Kid Mohair Merino Nylon. Et alors, c'est une qualité, moi je dirais worsted, mais elle peut convenir aussi pour une déca. Donc il y a un écheveau. Ça fait donc ici il est plein et l'écheveau il fait 100 grammes pour 200 mètres de laine. Donc moi j'en ai pris 3 pour avoir 600 mètres et mon objectif c'est de faire une écharpe. Donc j'avais commencé déjà en novembre. En fait dès que je suis rentrée du CSF j'ai voulu monter tout de suite et ce que j'ai fait ça me convenait pas et encore une fois j'avais des choses à finir en priorité donc j'ai mis de côté. Et du coup, je suis en train de la faire actuellement. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas vous montrer les 3 prenottes en entier. Je vais vous montrer seulement celle-là en entière. Donc, en fait, si on regarde bien, alors forcément, le rouge, donc ça, c'est le coloris cerise. Le rouge, pour vous montrer un peu la qualité, ça ne va pas être facile. Donc, j'ai pris 3 couleurs. J'ai pris cerise, j'ai pris hop, Pink Lady, Forever. Et j'ai pris le Madame Rêve. Et alors, je ne sais pas si on va voir avec Madame Rêve, est-ce qu'il va faire le point? En fait, vous voyez, il y a un espèce de petit côté vachement fluffy et duveteux. En fait, on croirait une KMS, un Merino Mohair habituel, en beaucoup plus épais et beaucoup plus duveteux. Et voilà. Et je pense que le nylon sert surtout à bien tenir la fibre, comme elle est plus grosse, pour qu'elle soit plus solide. Et voilà, donc moi j'ai pris ces 3 couleurs et à faire à suivre pour les chats. J'aime beaucoup la tricoter, je la trouve vraiment très agréable. Alors après avoir bien faire l'échantillon, parce que je pense qu'elle peut vraiment convenir à beaucoup
de pulls différents. Je sais que Simone a utilisé pour faire des modèles d'Aurélie Lapoule, des modèles qui étaient en déca de mémoire. Donc je pense qu'elle est largement utilisable en déca avec des aiguilles 4,5 par exemple. Et moi je l'utilise en beaucoup plus lâche. Et plus moins lâche. Je la fais en 6,5. Et ici, donc, elle peut convenir aussi. J'ai sorti récemment un modèle de colle gratuit en côte de 2. Et pareil, l'échantillon correspond. Donc, moi, je l'ai fait en 4, mon colle. Exprès, c'est volontairement serré pour qu'il soit bien près du cou et qu'il couvre bien. Un peu comme le bas de la capuche de Émilie. Et je suis sûre que j'aimerais bien faire un essai. Alors, j'en ai pas assez pour faire un col, mais je me ferais bien un col protéless, du coup, que vous retrouvez sur Ravelry et sur mon site gratuitement avec cette laine-là. Je pense que je vais craquer à un moment donné. Je vais faire une petite commande sur Simone, voir en fonction des coloris qui lui restent, et à mon avis, après les fêtes, parce que là, ça va être tendu. Voilà. Donc ça c'est pour les coloris. Donc je vous répète, il y a Cerise, Madame Rêve et Pink Lady Forever juste ici. J'espère que vous voyez bien parce qu'avec la luminosité du jour, c'est un peu compliqué les lumières, surtout avec ces laines un peu flashy. Voilà. Donc Madame Rêve, Pink Lady et Cerise. Je trouvais que les trois matchaient bien. C'est top. Voilà, donc ça c'est pour la laine et on passe tout de suite à un design. Pour le design, on reste encore en Yarn by Simone et en plus on reste encore en Madame Rêve. Donc Madame Rêve, j'ai découvert, c'est un coloris qu'elle a créé il y a quelques années, que j'ai découvert en même temps que tout le monde à la sortie et j'ai adoré. J'avais acheté en fait deux écheveaux de 150 grammes, donc ça faisait 300 grammes. Du coup j'avais 1200 mètres et au début je ne savais pas trop quoi en faire, j'avais juste acheté ça. Et après coup, genre 1 ou 2 ans après, j'avais dû acheter la KMS pour aller avec, dans l'idée de me faire un truc en déca. Et j'avais jamais trouvé quoi en faire. Et du coup, ça doit être l'été dernier ou le printemps dernier, je me suis dit que ce serait sympa de refaire mon carreta. Donc c'est mon premier design de gilet que j'avais fait en 2017. Je trouvais que c'était sympa de le ressortir dans une version améliorée, un peu plus actuelle au niveau des formes et tout, et tout en gardant le motif. Donc le voici. Hop. Alors, on a un motif à vagues en fait. Et donc la première version, c'était vraiment donc ce motif-là de part et d'autre de la boutonnière, sauf que j'avais voulu quelque chose de cintré, donc on avait fait des diminutions sur les hanches, sur la taille, des augmentations sur les hanches, et on avait des manches fitées un peu, donc avec diminution aussi. Et là, donc j'ai complètement revu, j'ai fait un modèle droit, parce que du coup, avec le motif, ça fait quand même une certaine ampleur et je trouvais ça plus sympa. Alors le motif donne une finition je sais pas si on voit, en V en bas. Après, moi, comme je le cale dans mes pantalons, ça se voit pas. Et avec la forme des hanches, en fait, le V en finale, il est un peu étiré et il revient droit quand on le porte sur les hanches, en fait. Libre. Et au niveau des manches, donc j'ai supprimé les manches fitées et j'ai fait des manches droites avec une bouffante, des manches un peu ballon, une jolie finition. Donc il est entièrement en côte torse pour pouvoir avoir une belle définition du motif. Et du coup, toutes les autres côtes sont aussi en côte torse. Donc le motif, on l'a là. Alors là, j'arrête pas d'étirer la boutonnière à force de vous montrer, mais normalement elle est plutôt droite. J'ai essayé de mettre assez de boutons pour pas avoir l'effet ouvert sur le devant. Alors forcément à bouger, ça s'ouvre un peu, mais il tient plutôt bien. Je pense que j'aurais pu en mettre un peu plus, mais ça aurait fait peut-être trop. Donc le coloris des boutons, c'est aussi Madame Rêve. Il y a une différence parce qu'en fait, comme j'ai tricoté l'un des premiers Madame Rêve, il est légèrement plus prune
que le Madame Rêve actuel qui est plus rouge. D'où la différence en fait. Les boutons Madame Rêve sont en couleur du Madame Rêve actuel. Et voilà. Et du coup, je vous montre tout de suite porter en image. Pour Carreta, j'espère qu'il vous a plu avec ce petit look à jupe. Donc c'est ma nouvelle jupe chouchou Make My Lemonade que j'adore. Et du coup, je trouve qu'il va parfaitement avec. J'aime bien le style que ça lui donne. Alors, si on s'attarde un petit peu sur le modèle, donc c'est un modèle en top-down. Donc je commence en haut et je tricote jusqu'en bas avec les manches laissées en attente au bout d'un moment. Donc on a les augmentations de raglan, parce que c'est un raglan du coup. Donc on a deux raglans devant et deux raglans derrière, hop ici. Les augmentations de raglan pour avoir une ampleur assez sympathique. Donc moi j'ai fait 13 cm d'ampleur, enfin il est calculé dans le patron avec 13 cm d'aisance positive. Les manches sont laissées en attente, on finit le corps de façon droite et on termine avec... des côtes torse en bas, comme j'ai dit tout à l'heure. Et ensuite, on reprend les manches. Et je vous ai dit, les manches, elles sont droites. Et un peu de diminution à la fin pour avoir cet effet bouffant. C'est un modèle qui n'est pas très compliqué. Après, il faut savoir suivre un diagramme ou des explications. J'ai essayé d'être la plus limpide possible. Donc, le motif est expliqué donc, en ligne par ligne. Et aussi en diagramme pour celles qui préfèrent suivre le diagramme. Moi, je sais que je préfère les diagrammes, mais... beaucoup aiment mieux avoir l'explication au fur et à mesure. La petite difficulté qu'on va avoir, c'est qu'au début, on démarre avec un certain nombre de motifs. Donc moi, je ne sais plus, j'en ai 3, je crois. J'en ai 2. Et en fait, sur le raglan, comme on va faire des augmentations, on va augmenter à chaque fois le nombre de raglans. Donc vous allez avoir des motifs pleins et des motifs bis, où en fait, on intègre le motif au fur et à mesure, avec un nouveau motif. Voilà. Et une fois qu'on arrive aux manches... à l'emmanchure et qu'on sépare, en fait, on va avoir que des motifs pleins. Donc là, j'en ai 4 à la fin de motifs pleins de chaque côté. Et donc, c'est un motif qui est en symétrie. Donc, vous avez 2 motifs. Vous avez le motif 1 d'un côté, le motif 2 de l'autre. Et vous avez donc les motifs bis qui permettent d'intégrer les motifs au fur et à mesure des augmentations. C'est la petite difficulté. Il faut bien suivre au niveau des diagrammes et des motifs, mais il n'est vraiment pas... compliqué et je trouve que le motif s'intègre bien, s'imprègne bien, on peut l'imprégner assez rapidement. Voilà, donc ça c'était pour Carreta. Et on va passer tout de suite à quoi on passe. Alors je n'ai pas d'explication, j'ai pas de question d'explication, j'ai pas d'explication à vous parler. À vous expliquer, à vous donner. Et du coup, on passe à un projet couture. Alors, le projet couture, je vous en ai parlé la dernière fois. C'est un modèle que j'ai déjà montré, que j'aime beaucoup. C'est la Interland Dress de Sue Liberate. J'avais déjà fait avec un motif, un tissu très, une viscose légère de Pretty Mercery orange avec des petites fleurs. Que j'avais faite quand j'étais enceinte. Et du coup, je l'ai refaite avec une crêpe de viscose. Je sais plus, je voulais présenter le tissu la dernière fois. Et elle n'est pas finie. Donc le haut est fait, mais je ne sais pas faire quelle longueur. Donc voilà, je me dis, vous allez peut-être me donner votre avis. Mais voilà, je ne sais pas si je laisse long ou si je fais court. Donc là, voici. Donc ça c'est le haut, donc j'aime bien parce que c'est toujours une taille prise, enfin une coupe à la taille, pas en pierre mais un peu en dessous. Du coup ça cache les hanches, tout ce qu'on veut cacher.
J'ai fait les manches courtes. Et du coup, la différence, c'est que normalement, dans le modèle que moi, quand je l'avais acheté, il y avait une boutonnière qui est disponible maintenant sans boutonnière dans la nouvelle version du patron. Et donc, moi, je l'ai faite sans la boutonnière. De toute façon, je n'utilise pas les boutons. Je sais que la première version, j'avais fait pour pouvoir l'ouvrir, pour pouvoir allaiter, mais je n'allais plus, donc je fais sans les boutons. Donc, c'est une crêpe un peu vieux rose. Et je vous dis, donc, j'ai fait des poches. Parce que j'aime les poches. J'ai utilisé un Liberty que j'avais, un reste de Liberty Mitty que j'avais en stock pour les deux poches. Et donc, je vous ai dit, j'ai fait la version... Alors là, j'ai fait une version longue, mais du coup, j'arrive pas à savoir si ça me plaît ou pas. Donc là, elle m'arrive milieu du mollet et je ne sais pas si je la coupe au-dessus du genou. Pour faire, je pense que ça m'irait mieux, en fait. En fait, j'ai du mal avec les longueurs mi-mollets. Je crois que ce qui me va le mieux, c'est quand même soit le très long, soit le court. Donc voilà, je sais pas. Donnez-moi votre avis, que pensez-vous? Et d'abord, je vous la montre en image. Maintenant que vous l'avez vu porter, vous pouvez me donner votre avis. Donc je sais qu'on ne voit pas très bien le bas avec mon cadrage, j'ai pas trop le choix. J'ai pas de recul. Peut-être que je ferai des petites stories pour avoir votre avis plus en détail. Mais voilà, je ne sais pas exactement encore quoi faire. Je m'étais dit, ouais, je la raccourcis. Et j'ai pas fait. Donc pour les détails, je vous ai dit en colure ronde. C'est un montage qui est assez facile au final. Une fois que tout est découpé. Le haut se fait bien, enfin ça s'intègre bien. En plus, j'ai pas la boutonnière, donc il n'y a pas la difficulté de la boutonnière. Moi, j'ai vraiment fait tout le haut d'abord pour pas être embêtée avec le poids de la jupe. J'ai même fait, je vous dis, les ourlets, tout ce qui est les ourlets de manche, je les ai fait avant de mettre la jupe. Et pour l'ourlet de cou, je pense qu'il faudrait que je repasse. Je sais pas si vous voyez ce que je vous montre. Ouais, je repasse ce qui est légèrement, il colle légèrement. Et j'ai eu des petits plis en faisant. Donc, je pense pas que ce soit très grave. Je pense aplatir un peu avec le repassage, ça ne s'ira pas trop. J'ai vraiment un petit pli devant et j'ai un petit pli derrière aussi. Et voilà, c'est très léger. Celui derrière ne me gênera pas, je ne le verrai pas de toute façon. Et celui devant, je pense que comme il est encore plus petit, il est encore moins visible que celui derrière, je pense que ça ne se verra même pas. Je pense que comme le tissu était très fluide, j'ai un peu dû tirer trop. Et ça a formé un petit pli au niveau de la couture quand je l'ai faite. Et donc j'ai fait une double piqûre au niveau du col pour faire une jolie finition. Je ne sais pas si ça donne quelque chose de bien ou pas. Et j'en ai fait qu'une au niveau des manches. Pour le fonçage, hop, on est là. Et je vous dis, donc j'ai pas fait l'ourlet du bas, puisque je ne sais pas encore. Donc j'avais surfilé dès le démarrage, et j'ai pas fait l'ourlet du bas parce que je ne sais pas à quelle longueur faire. Donc je suis encore en attente de réflexion, etc. C'est toujours le dilemme de la couture, et je ne la porterai pas. Et voilà, après je sais pas si je fais l'ourlet en bas, et ensuite j'essaie de voir la portée, comment ça donne. Et si ça me plaît pas, je la raccourcis, c'est une option qui est possible. Ça va peut-être finir comme ça en fait. Voilà, et donc on passe à un tissu. Alors pour le tissu, j'en ai deux à vous présenter parce qu'en fait j'ai deux projets sur le feu dont en fait les deux sont découpés et je voulais vous les présenter avant de les couper. Donc j'ai le calque du patron, les deux patrons sont choisis, mais voilà, je voulais vous montrer les tissus avant que de les couper pour voir un peu le tombé. J'aime bien le mouvement, j'aime bien montrer le tombé, la souplesse du truc, la prise en main. Donc je vais commencer avec celui que j'ai acheté en novembre. Donc c'est
un tissu Atelier Brunette. Donc c'est un twill de viscose, si je ne dis pas de bêtises, je l'ai noté. Oui, un twill de viscose, donc c'est le Fitzy Rust. C'est la dernière collection qu'ils ont sortie. Je le trouve magnifique, c'est mes couleurs tout à fait. Et j'adore le motif en fait. Voilà, et le tombé est vraiment beau. Donc c'est le Fizzy Rust, j'ai pris les petits boutons pour aller avec parce que je vais faire une chemise Pétula de République du Chiffon. La chemise Pétula République du Chiffon. Et donc il me fallait pas mal d'ampleur parce que c'est une chemise qui est très très large. Et donc je voulais quand même qu'elle soit bien, avoir assez de tissu pour pas être embêtée. Donc j'ai pris. Et alors je l'ai eu vraiment par hasard. Donc j'ai été tourner le cours d'artisane le 7 novembre. Et il s'est trouvé que c'était le jour de la sortie de la nouvelle collection Atelier Brunette. Et j'ai fini le tournage plus tôt que prévu. Et mon train n'était pas tout de suite. Donc j'ai foncé en train jusqu'à la boutique Atelier Brunette. Du coup, c'est Condorcet, je crois, la boutique Condorcet. Et je suis allée voir et en fait, j'ai craqué. Je n'ai pas pu me retenir. Voici le tissu pour une chemise Pétula. J'espère qu'elle sera belle. La chemise Pétula est très large, elle va vraiment bien dans les jeans, mais portée facilement, même en fixard, ou même avec une petite jupe courte. Voilà. Cet été, comme elle a des manches courtes et que c'est un tissu quand même assez léger, je me dis qu'elle peut être assez, assez multiple comme chemise. Donc, affaire à suivre. Et le deuxième tissu, alors j'ai même deux tissus parce que c'est les mêmes. Ma maman m'a offert un pantalon. Et en fait, on a au passage essayé un t-shirt qui était très joli avec des manches un peu, avec des épaulettes. Mais moi, j'aurais enlevé les épaulettes. Mais un peu avec du brillant ou des sequins ou quelque chose comme ça. Et en fait, c'était une coupe simple, quoi. C'est un trapèze de face. On avait les épaulettes pour le prix de 70 €. Donc ça me faisait un peu mal. Et du coup, je me suis dit, je le prends pas. Mais ce serait quand même chouette parce qu'avec mon pantalon que maman m'a offert, ça aurait été chouette à Noël d'avoir un petit haut brillant. Et donc du coup j'ai fouillé un peu dans les internets et j'ai trouvé le patron Claudia Tank de Just Pattern. Alors Just Pattern, c'est une marque qui fait en français et en anglais. Je ne sais pas du tout d'où vient cette marque, voilà, mais j'ai découvert avec elle. J'avais repéré le Claudia Tank sur une couturière qui avait posté une photo cet été de ce petit top et je me suis dit mais c'est ça qui serait parfait, il me faudrait un jersey un peu souple, brillant. Et donc en cherchant je suis tombée sur un jersey lamé. Hop, je vous le déplie. Hop, donc ça vient de chez Fairy Factory. Alors il est méga souple, il est légèrement transparent, donc comme c'est un truc un peu de fête, je suis pas sûre que je vais le doubler, à voir. Est-ce que je double peut-être avec un reste de jersey noir que j'ai juste pour le devant mais pas le dos. J'ai pas encore fait, je vous dis, je me retiens. Bon, bien entendu on est le 21, faut que je fasse ça aujourd'hui, mais 24 ou 25 ça va venir vite. Bon après c'est un petit top qui va très vite, mais voilà, je pense que je vais le découper aujourd'hui et puis ce sera bien fait maintenant que je vous l'ai montré. Et voilà, donc je le trouvais très chouette. J'avais demandé conseil à, alors je sais que Elodie Blueberry travaille pour Fairy Factory, donc je me disais qu'elle connaissait un peu les tissus et je lui avais demandé conseil par rapport à ce lamé. Donc elle m'avait quand même prévenu qu'il était un peu transparent, mais je le trouve super beau. Donc là c'est le lamé noir et du coup donc il est, j'en ai eu pour 9 € je crois et quelques, 9,70 € pour 80 cm, parce qu'avec je crois que pour le Claudia il faut que 70 cm de hauteur. Donc là, je pouvais que prendre une ultime de 20, mais donc voilà, 9 € plus le patron. En gros, je vais avoir mon top à paillettes pour 20 € au lieu de 70 dans le commerce et sûrement avec des meilleures finitions. Et j'aurai pas à couper les épaulettes puisque je ne vais pas le faire. Et donc dans le Claudia Tank, on peut faire aussi les épaulettes. Moi, je ne vais pas les faire non plus. Et donc, j'ai craqué aussi pour le même lamé, mais en cuivre. Donc, pour le même tarif. Je le trouve très joli aussi. Avec un fond noir et un effet un peu cuivré. Alors là, je suis pas sûre que je ferai le Claudia Tank. J'ai vu un autre, justement, chez Just Pattern, j'ai vu un autre patron de t-shirt très loose, que
comme j'aime porter avec mes jeans, et je me dis ça pourrait être chouette aussi. À voir au niveau du métrage si j'ai assez. Voilà, donc ça je répète, c'est le lamé. Le lamé de Fairy Factory. Je trouve très bon. Vraiment très souple, très lumineux. Donc c'était pas trop mettre mon truc, les paillettes. J'aurais préféré doré que cuivré, mais je le trouvais beau aussi en cuivré. Et voilà, je me dis avec du noir, ça peut être sympa. Et voilà, c'est tout pour les tissus, c'est déjà pas mal. Je vais m'empresser de finir cette vidéo et d'aller couper mon jersey. Mon jersey lamé, pardon. Et voilà, et on en est là. Et donc, on va passer à une question. Alors, pour la question, c'est une question qui n'en est pas vraiment une. Vous avez été plusieurs à me poser des questions, en fait, sur le cours artisane. Donc, je me suis dit que j'allais faire un petit promo à la fin. Donc, si ça ne vous intéresse pas, je vous dis au revoir tout de suite et je vous fais des bijoux. Et sinon, voilà, j'en parle un tout petit peu. Donc, le cours artisane a été enregistré au mois de novembre. J'ai été contactée il y a déjà pas mal de temps par artisane pour travailler avec eux. Donc, l'objectif, c'était donc de faire un cours un peu de modélisme version tricot. Donc c'est pas un cours de modélisme comme on va avoir les cours de couture où il faut modifier tout, recalculer, enfin refaire du patronage. En fait c'est pas du patronage vraiment, mais là on va dans ce premier cours on va voir comment modifier vraiment un patron à partir de ses mensurations. Donc ça s'appelle adaptation morphologique en tricot. Donc c'est le cours numéro 1. Et donc dans ce premier cours, vous allez en fait, donc c'est un petit cours qui dure moins d'une heure. On l'a voulu court parce que en fait il est assez dense en calcul. Il y a peu de choses à montrer vraiment en tricot. C'est vraiment pas de la technique de tricot. Il faut savoir tricoter. Après, voilà, une fois qu'on a fait quelques modèles, on peut comprendre facilement. C'est vraiment une technique mathématique qui est utilisée, une technique simple qu'on apprend à l'école primaire. Faut juste avoir en fait la règle. Et une fois qu'on a la règle que je donne dans le cours, c'est assez facile d'adapter son tricot. Et après, dans le cours, je vous montre vraiment étape par étape quelles sont les dimensions à modifier pour tel type de pull. Donc là, j'ai designé un pull exprès pour ce cours, donc le modèle Pan. Donc c'est un modèle raglan, donc c'est vraiment plus spécifique au modèle raglan. Ça peut être adapté à d'autres, mais on verra ça plus tard. Et là, donc c'est vraiment comment calculer les augmentations si on veut augmenter au niveau poitrine pour ne pas suivre forcément le modèle, faire des manches un peu plus larges, faire des poignées un peu plus larges, enfin voilà, comment adapter vraiment en fonction de ces mesures, donc prendre ces mesures et ensuite adapter vraiment en fonction de ce qu'on a à nous et pas forcément des mensurations données par le patron qui ne nous conviennent pas toujours, toujours. Donc voilà, ça c'est pour le cours artisan. Et je sais qu'il a plutôt pas mal marché, donc je suis très contente. J'ai énormément de retours de gens contents, ravis, donc ça me plaît. Alors encore une fois, j'ai eu aussi des retours en me disant c'est court et c'est pas assez complet par rapport au modélisme de couture, mais ce n'est pas du modélisme de couture, on ne fait pas de patronage, il n'y a pas de reprise de forme ou quoi, là c'est vraiment adapter un modèle en fonction, modèle raglan en fonction de sa morphologie. Après voilà, encore une fois, il y a d'autres adaptations possibles, mais à faire en fonction. Mais pour ce cours 1, c'est vraiment un cours de calcul à voir pour la suite. J'espère que j'ai répondu aux questions de celles qui en avaient. Et on va se quitter maintenant du coup. Merci d'avoir écouté jusque là. J'espère que ça vous a plu. J'ai eu l'impression d'être un peu rapide, mais bon, je se bats. On verra bien. Et du coup, vous pouvez vous abonner si c'est pas déjà fait ici sur Instagram, sur donc YouTube. Compagnie. N'hésitez pas aussi à vous inscrire à la newsletter sur le site pour pouvoir recevoir les promos lors des sorties de patrons. C'est une promo un peu plus avantageuse quand vous êtes inscrit à la newsletter. Il va y avoir pas mal de choses de nouveau l'année prochaine et j'ai hâte. Beaucoup de nouveaux modèles, de nouveaux projets, notamment deux gros projets, mais de ceux-là je ne pourrais pas en parler tout de suite. Mais voilà, il va y avoir pas mal de sorties à venir qui vont être comme ça.
Dans tous les cas, je vous remercie infiniment. Pour la prochaine vidéo dont je vous ai dit, j'aimerais bien faire cette fameuse FAQ, foire aux questions. J'ai pas mal de questions déjà enregistrées, mais vous pouvez toujours poser vos questions en dessous de cette vidéo. Comme ça étoffe un peu la FAQ de la prochaine fois. Et en attendant, eh ben, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou quoi que ce soit, et une bonne fin d'année ou un bon début d'année pour ceux qui regarderont l'année prochaine. Et je vous fais plein de bisous. Bisous, bisous.